bongo singo mingi ya kokuta na bino mikolo nyoso bande ko na biso ya ti RC News kozolanda biso bongo de partout vous êtes au Congo central, aux États-Unis d'Amérique, à Bandundu, partout dans le monde entier. Vous êtes de partout dans les quatre coins de la République démocratique du Congo. Nous vous souhaitons le bienvenue. Alors, pour retenir bongo quelques thématiques pour Namokolo, Yalelo, vous êtes sans ignorer que depuis les États-Unis d'Amérique où il a participé au congrès du Parti démocrate, l'opposant Martin Fayulu Lumadidi, président du Parti Engagement pour la citoyenneté et le développement SID en sigle a plaidé pour la tenue d'un dialogue entre la classe politique congolaise sous la médiation du chef spirituel. L'objectif de cette démarche, selon lui, est de renforcer la cohésion nationale et de soutenir l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, alors que les pays font face à une agression du Rwanda sous couvert du groupe rebelle M23. Que vise exactement Martin Fayulu sur la tenue du dialogue sous la médiation chef de l'État? Et ça, bongo, thématique Nabiso ou Alboso, pour l'obéla de l'autre côté, cette Kikuni, candidat malheureux, il y a l'élection Eutikoleka à l'objet, était Félix Antoine. Tu sais que Chilombo n'avait pas gagné les élections du 20 décembre 2023. Et concernant sa dernière sortie médiatique, Félix Antoine, tu sais que Chilombo s'est présenté comme un diviseur et non un réconciliateur. Cette Kikuni a été déterminé à stopper un mandat de Félix Antoine Tshisekedi. Voilà, c'est pour quelle motivation. Chers téléspectateurs, nous allons devoir jeter un coup d'œil dans ma Kambo et Talibongo, parti politique UDPS. Vous êtes sans ignorer que parti politique OEO et Bonga ya secrétaire général et Zabongo n'a deux personnes. Moi, Makele, les amants, Makasi, na parti politique OEO, UDPS, Deogracia, Bizimbu, a co-présenté Bisobongo programme naye d'action à la convention démocratique du parti CPD le samedi 31 août 2024 au collège Boboto. Et vous allez bon samedi Oyo Ezali Oya. Voilà, grande ma joie, chers internautes, de pouvoir recevoir pour vous Monsieur Paulin Boutou. Ezabongo Mbalanaï Aliboso. Aya bongo kota la biso na esika oyo et puis a participé na émission au Ndeko Fabien Poutou. Bienvenue Mbote. Mbote madame, Mbote na balandi ya chaîne na biso DRC News TV. Voilà. Qui nous suivent presque de partout. Mbote plus particulièrement aux Kinois qui nous ont énormément manqué sur les différents plateaux où nous étions devenus quasiment absents. Merci pour Nayo. Il faut des pistes de nous avoir invités sur ce plateau lycée. Merci beaucoup. Moi, je suis Paulin Poutou. Aux alliés qui m'ont absent, au Tico Lubangwa, on a des aux alliés qui m'ont absent, aux alliés qui voient, puis, et puis au Kenda qui cause la mini. Et donc, au Koye Bangou, on a des collègues qui sont là. Oui, aux alliés qui m'ont absent. Tout ce qui m'a attendu pour visiter les différentes provinces de Bissau. Okay. Tout ça, c'est comme on y a vrai. Nous avons un souci, non seulement pour voir Nakakao, soit pour y avoir un kinté, il fallait toujours un mois de temps pour qu'il y ait le Congo central, pour qu'il y ait Okatanga, pour qu'il y ait la province, nous sommes plutôt visiter un peu tout le monde, à Bissau, surtout par le pied du doigt, par différentes réalisations, il y a mon Zamboka. Na gouvernement naé misal ou ya salaki na gouvernement na premier mandat pour toujours qui chance à revisiter et puis aussi na va œuvre ou ya bandi na na gouvernement ou ya sou ya sika ya madame la première ministre madame Judith Suminwa à qui nous je salue en passant, je salue également le premier fils de la République, le président Félix, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les soucis et l'amour qu'il a
pour ses frères et sœurs et pour son pays, la République démocratique du Congo. Yom to outi kuna de l'autre côté ko outi ko visiter quelques provinces ya mboka na biso esko moni kuna ça va izali batu kuna bazo vivre malam comme esengeli ça va à la lire ya Congo, ça va à la lire mondiale. Je sais ezana ba congolais ko ba comprendre qu'il fallait faire bouger les choses, il fallait accompagner mon konza mboka. Que ce soit ici, que ce soit dans ma province, laisse-moi le temps de dire et de féliciter certains gouverneurs de province, comme le gouverneur de la province de Kasaï, Maître Kespia Mokendi, qui est dans la vision du chef de l'État, le gouverneur de la province du Congo, le gouverneur de la province du Congo central, Grace Bilolo, la gouverneure de la province du Lualaba, Fifi Masuka, le gouverneur de toutes les 26 provinces qui ont accepté ou qui marchent selon la vision du chef de l'État. Je leur dis merci et je les encourage de suivre le pas pour que demain le lendemain qu'on parle de nos provinces, demain le lendemain qu'on parle de la République démocratique du Congo. Parce que si Fifi Masuka ne fera pas un effort de faire changer les choses dans la province du Lualaba, il n'y aura pas personne qui quittera Kasaï pour aller développer le Lualaba. Même chose, si le gouverneur de la province de Kasaï, Maître Kespia Mokendi, ne fera pas quelque chose, le gouverneur Gasbilo ne fera pas quelque chose, il fallait bien d'abord tous avoir conscience, tout le Congo central d'abord, Kasaï d'abord, le Lualaba d'abord, Nord Kivu d'abord, et les autres viendront pour nous appuyer. Très bien, merci beaucoup, mon amboka, Paulin Poutou. Alors, tout ça, bon, pour aborder première thématique, Nabisso, autorité Niro, mais j'aimerais bien que nous puissions commencer avec votre parti politique, puis des pèses, pour en actualité, et super moi tant, hein, bah, te belle, vas le belle, le belle, partout, tout ça, qui n'est qu'à eu des pèses, des pèses. Comment d'abord la santé de votre parti? Oui, la santé de notre parti est anormale. Mais ils ont un lot comme on voit, ils ont comprendre les lots, que ce soit au sein des partis, que ce soit des bandes à partis. Madame Mboka Oyo, depuis 1960 jusqu'en 2018, c'est là qui dirigeait et pas dictateur, voulais-je dire. C'était des gens qui ne venaient pas des partis démocratiques. Alors, tout. Bilo konyon so ba décision yon so na kata ba parti o e bando ko kamba mboka na biso venait de leur président du parti. Ba décision e bando wuta soit et pas président et que si le président dit non ça reste non, non. Si il dit oui ça reste oui. Alors ce n'est pas le cas avec notre parti IDPS. C'est comme nenge papa Etienne bando lo ba personam. Dans la décision est outa kana base et Mathilde Kolo va décider ou soit ba o bazo kama parti pas mais kako et ba ndengene ne ko se comporter pas ba ndengene ne ko ya pas agir. Le lo bana IDPS a eu pouvoir depuis 2018 ba congolais bazo comprendre philosophie wana te bah des fois et les bazo c'est kabiso il dépense ses koufi il dépense ses bazo même oui c'est ça que j'ai dit. Mais nous nous comprenons, c'est ce qui fait notre force parce que nous sommes un parti démocratique. Donc Moutoudou Azana libre opinion, il fallait s'exprimer na où azo senti mais n'a pas c'est pas la politique parce que un parti une famille madame votre balilo ba ma quoi bisso c'est tout là et comme on a besoin la carte parti politique na famille na proposant bazala na go que les musicaté. Je ne parle pas de moi, je ne parle pas de tous les Congolais dans votre propre famille. Ba petite sœur na yo so ba grande sœur na yo ba grande sœur na yo so ba petit frère na ba grand frère so ba sœur na yo. Même ma papa leg, ma papa koulous, bango tout va se faire en ayoté. Et ça, mon soussou, bazo appuyé, yo bazo l'obate, moi n'en a dit soi à moi si, à qu'elle n'est pas soit réussir. Parce que son bonheur, c'est le bonheur de la famille. Et ça, mon soussou, bako bundisa yo. C'est l'histoire datée de longtemps, ça commençait. Je vous rappelle, je donne l'exemple de Joseph. Joseph était haï, attaqué, vendu par ses propres frères.
C'est pour vous dire que quand on dit votre vanité, vanité de vanité, donc l'histoire, on ne la change jamais. Mm. Ça a commencé avec la création de la terre et ça va aller comme ça. Ça va aller comme ça. C'est comme aujourd'hui, à l'IDPS. Même si on prendra qui, on a la tête. Mais il y a des gens qui. Il y aura toujours des conditions. Même à l'époque de Papa Étienne. Ils étaient maman, nous avons l'IDPS, Bazala qui pour Papa Étienne. Comme si on a eu l'IDPS, parti. Et avec le président Fatih, même chose. Même les lots, ils étaient que maman, nous avons eu l'IDPS, il y a des pèses, il y a des secrétaire général, Augustin Kabouya, pour ceux qui ont eu l'IDPS, ils ont eu l'IDPS. C'est comme ça. Et si nous nous disons, c'est ce qui fait notre force, ce qui fait la force de l'IDPS parce que c'est un parti démocratique. Nous devons en aller. Mais c'est un parti démocratique. C'est un parti démocratique. Et comme Maka Sisko, une fois que vous êtes au pouvoir, de ma ramane, se dirait, et tombe à mi. Et Banda qui l'est loté. Les londes, pas de babouille, qu'au salon, on est dit, hein, pas honnêtement, occasion, il y a pour Banda côté, car l'image est partie dans le sens Moro Yamabe. Je vous dis, l'IDPS est un parti démocratique. Chez nous, c'est la démocratie qui prône. C'est la libre pensée qui prône. Libre réflexion qui prône. Alors, ça a commencé avec la création du parti. Et ça va aller comme ça. Il faut battre pas mes ananas pour comprendre que c'est ça que j'ai dit. Mm. En 1960 jusqu'en 2018, Félix Azoua qui pouvoir, battre pas mes ananas qui a quand même autorité morale a dit. Alors, on a eu des personnes autorité morale a dit et ça a raté. Soit la sécurité dans le secrétaire général Augustin Kabouya, n'a pas attaqué. Et je suis libre et à copier ça, point de vue en aïe. Pour attaquer, c'est bien, mais au Tikali, aux Awana. Que ça soit, que ça Sous responsabilité. Que ça soit, bah, oui, bah, soutenir, oui. Que ça soit, bah, oui, bah, zombo, yaye, bah, soutenir quand il y a secrétaire de Okasha. Bango, tout va ça, bah, maman, il dépasse. Nous avons déclaré que déclaré que nous avons déclaré que et ça, dans le monde, dirigeant qui est le régime passé avant nous, tout venait de l'autorité morale. L'autorité morale a dit, s'il dit tel, il faut faire la telle, ça n'a rien à l'autre. Mais c'est d'ailleurs tout bien pour tout le monde à Makambo, tout le monde a dit actuellement. Je vous donne l'exemple. Je donne l'exemple d'un autre pays, africain aussi, l'Afrique du Sud, avec ANC. Prenez la philosophie de l'IDPS aujourd'hui, c'est ce qui se passe en Afrique du Sud avec l'ANC. C'est un parti au pouvoir. Et ça, l'agissement, c'est comme ça. Aujourd'hui, ne soyez pas surpris si nous nous constatons que ça ne marche pas, que nous soyons le premier parti à sortir sur la rue pour dénoncer que ça ne marche pas. Et on ne le fera pas contre notre président, on le fera pas parce que nous serons contre lui ou nous sommes contre lui. Nous voulons l'amener à comprendre les choses que. Voilà la vision de l'IDPS. Donc, il fallait que les Congolais ne comprennent pas. Même nous, les membres de l'IDPS, que nous comprenions que c'est ça ce qui fait notre force. Moi, je l'appelle un petit vent, Ekoleka. Et toutes les deux parties comprendront que ce n'est pas un moment, mais le moment crucial pour nous. C'est de soutenir le chef de l'État avec le coup son gouvernement et tous les gouverneurs qui sont. Mais maintenant, besoin de soutenir le chef de l'État, c'est beaucoup de l'utilité. Vous cherchez les intérêts personnels. Donc, vous dites, par contre, dirais-moi, vous pensez que là, besoin de quoi est alibino moko, c'est intérêt d'alibino moko. Non, c'est pour vous dire que tous les deux camps, qui est contre le chef de l'État? Personne. Ce que vous êtes en train de faire, vous êtes pour affaiblir en quelque sorte le gouvernement en place. D'abord, le président de la République fait partie de l'Union. Vous savez une chose.
vers 22h, vers 21h, après ça, bino va conseil, et bana nangai, boza bana tata moko, maman moko, il fallait. Au moins, la gamoudo a yagi a li banda wota ki mabe, a wosuka, a kebeta, moutou na poto. Vous devez comprendre. Dans le loto qui peut marabouter. Il y a des gens aujourd'hui qui combattent l'île des pèses, qui ne veulent pas de l'île des pèses. Mais nous, on veut profiter. Il y a des gens qui veulent profiter de ces petits voies pour nous déchirer, pour nous diviser. Mais que ces gens sachent que l'île des pèses, la force de notre parti, c'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Ça va cesser. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis longtemps et ça va aller comme ça. Que les gens nous comprennent que nous ne sommes pas comme tous les autres partis où tout venait de la tête. Mais ici, à l'île des Pèses, tout vient du bas. Et puis, il y a Mathieu Nicolo. Bon, non, c'est mardi. À des fois, la décision, on est bandé qui a été bandé peut-être dans Kasumbalesa. Il y a un monde peut-être qui a commencé. Vous comprenez? Ça n'a pas commencé avec le secrétaire général, Augustin Kabuya, ça n'a pas commencé avec le secrétaire Deo, mais ça a commencé à la base. Et ça va cesser. Ça va cesser. Bah, tout va être contre X, mais Y. Ils ont pas soutenir X, ils ont soutenir Y. Ils ont pas soutenir X, ils ont pas soutenir Y. Azo s'améliore chaque jour pour que toutes les deux parties reviennent à la raison. Moi, le souci, c'est que j'amène à tout le monde, j'appelle tout le monde à comprendre que, bien sûr, ça fait notre force, mais nous devons fédérer nos forces pour savoir faire et savoir être pour accompagner notre pouvoir, pour soutenir notre pouvoir. Voilà. Il va présenter son programme ce samedi dans le collège Boboto. X et Y vont présenter le programme Naïti. Peut-être pour présenter calendrier, il y a un programme. Il dépêche tout ça dans le programme Nabiso. Notre programme se trouve dans les statuts du parti. Nous avons notre vision, nous léguée par les pères fondateurs du parti. Mais peut-être il va juste rappeler tout ça. Il faut présenter calendrier, il y a une action, il y a une œuvre pour ça. Mais il le fera tout en respectant les statuts du parti. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Toutes les deux parties reviendront à la raison. C'est impossible. Non, bon, c'est possible. Avec l'UDP, c'est possible. Avec l'UDP, c'est possible. Oui. Joseph était venu, avait fini par pardonner tous ses frères. C'est de la même façon. Je vous dis, ça va cesser. Très bien. Bana ya papa manko donc to signe biso to signe bande ko na biso IDPS balikwa rutia kimia. Martin Fayoul Matiti depuis les États-Unis d'Amérique azo sala mon ba sorti médiatique moi mingi à lobie azo senga ite dialogue et salama na sous la médiation ya ba chef spirituel de l'autre côté cette ikuni à lobie ite président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a gagné qui bon ben élection en 2023 et baza déterminé à stopper mandat Oyo second mandat au président de la République démocratique du Congo. Commençons d'abord avec Martin Fayoul Matiti, la sortie médiatique na analyse finale. Madame, nazo banana na bonne cette ikuni. Nazo sengaye azana perte de vitesse totale. Perte de vitesse comment ça? Azana perte de vitesse et azo azo lota. Mais il y a un autre qui est en train de se faire. Il y a un autre qui d'abord à l'autre qui est en train de se faire. Il y a une aventure politique. Il était parti, je ne sais pas où, je ne sais pas d'où, dans quel pays, pour aller étudier, aller copier ce qui se passe, ce qui se fait dans ce pays-là et venir le faire dans notre pays. Il y a une distraction. Le pays où le Congo, les Congolais n'ont pas encore besoin de ce genre de distraction.
l'aventure wana ati kango ça ça ngana benga ngo na qualifier ngo aventure vie tika aventure elle a raison. Je n'ai pas d'opposant. Il devrait faire tout que Moïse a derrière la vision naïe. Parce que lui se disait le meilleur de tous les temps. Il se disait pas politique aussi, il va monter. D'abord, il n'a pas politique. Il était une distraction. Non, par rapport à Moïse Katou. Deuxième personne, Moutounangaï vient à respecter Mingi et Foyon. Mais viens, commence à comprendre maintenant les choses déjà tard. Vous comprenez? Ils ont dit, on va dire que tu as un architecte qui a une expérience avérée à Yébisso. Moi, je place que tu as un homme qui a la guérabilité. Dans 5 ans, tu as un homme qui a Non! Tout ça, j'ai déjà investi, tout. Et vous ne voulez pas comprendre les gens. Vous voyez que, oh, ils ont fait ce moment, Mama Yelewana, Aza et Deminayo. Et pourtant, c'est lui qui vous aime. Et celui qui vous aime, c'est la personne qui vous dit la vérité. La vérité, exactement. Lorsque ça va, lorsque ça ne va pas, il vous dit que ça ne va pas. Exactement. C'est comme un vieux foyer. Aujourd'hui, dialogue à Zosenga. Dès la prise du pouvoir, moi, Namboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Senga, qui n'a force vive, Yamboka. Venons, mettons-nous ensemble tout ton amour en abysse. Moi, je ne peux pas, avec la main sale, tout ça, tout ce qu'il a fait. Il a traité l'enfant du pays dans tout le monde. Président Félix Alobi, très bien, que Mboka en abysse, c'est le Rwanda qui combat le pays. Mais pour elle, c'était la distraction, tu sais qu'il y a des gens. Mais aujourd'hui, les vieux ont compris les choses. Mais j'ai dit, je peux dire, c'est le sang qui commence, le sang des Congolais au Bazo Boma Boma. Et moi, je vais interpeller ce qu'on conscience à les Congolais. Parfois, les Congolais vont comprendre que ce n'est pas à un moment où on se déchirer, mais c'est un moment de se mettre ensemble. Ok, tout le monde. De se mettre ensemble, est-ce qu'on vous savez ce que j'ai dit pour les vous savez pourquoi j'ai dit que cette icône, c'est un aventurier. Allez-y. C'est pourquoi, c'est parce que nous avons dit que nous avons comprendre l'obité du Congolais va confier bien. Nous ne pouvons pas, vous savez, l'ennemi vous profite lorsque vous êtes divisé. Lorsque vous êtes divisé, l'ennemi, et puis le Rwanda est en train de tout faire pour que le Congo ne soit pas un. Le Rwanda n'est pas seul aussi avec Bamadou Nabango. Les profiteurs, les tueurs des ficelles, financer au Rwanda pour que le Rwanda aussi parvienne à financer les Congolais aux faibles. Pour eux, il faut accepter l'argent et sacrifier le pays, sacrifier leurs frères et soeurs. Vous comprenez? C'est ça l'idée de cette Kikuni. Il y a n'importe quoi qui est pas de Kotanga pour changer ma caméra Congo. Il y a qui est pas de Kotanga pour tirer ma relation et bien pour que la relation en effet soit bon pour ma Congo. Vous savez que c'est depuis, il y a nos vieux. Et quand ils gagnent l'argent ici, allez-y dans beaucoup de provinces. Il y a des gens qui font de nous ici à Kinshasa. Mais dans les provinces, ils n'ont rien fait. Même on est sur Baïbaga, Awa, alors qu'ils tombent là-bas, moi, pas étranger, pour la papaya. La plupart des ministres, la plupart des députés, est-ce qu'ils aiment ce pays? Non. Les autorités en général. J'ai dit, et je le répète, j'ai dit ici ce plan. Si le chef de l'État avait 90% de soutien de tous ses collaborateurs,
des gens comme Crispin Mukendi, comme Fifi Masuka, les pays devraient avancer. Okay. Ça, je vous assure. Mm. Ça, je vous assure, parce que si vous voyez ce que ces gens font, ils sont nombreux. Bien que je ne tournerai pas, Non. Le président Félix Tshisekedi peut aussi dire, comme a dit l'ancien. Moi, c'est parce que dans ce pays, dans ce pays. Le président Joseph Kabila, que tout autour de moi, je n'ai pas trouvé 15 personnes. Il y a des gens. Le président Fatih a plus de 15 personnes. Mais qu'est-ce qui bloque maintenant parce qu'il a plus de 15 personnes? Je voudrais dire ceci. Allez-y. Aujourd'hui, nous confondons les choses. Nous, les Congolais, nous disons le président, le développement de la RDC, c'est le chef de l'État. Non, ce n'est pas le cas. Le chef de l'État n'est pas là pour développer le pays, mais il est là pour développer le pays. Comment? Parce qu'il a une vision, il va porter sa vision. Et il y a des gens qui doivent bénéficier de ce projet, encaisser ce projet et la pratiquer, marcher selon cette vision. Aujourd'hui, beaucoup de Chinois ne comprennent pas la philosophie de Mao de la Chine. Mao a dit, à la prise du pouvoir, a suspendu des choses. Il a dit, nous acceptons que 3 ans que les Chinois souffrent, que la Chine souffre. Que la Chine soit comptée parmi les pays les plus pauvres du monde. Pour qu'après 50 ans, que la Chine devienne la première force. C'est aujourd'hui le monde entier a compris que Mao avait raison. Mais si aujourd'hui, si le président Fatih cherche à marcher selon la vision de Mao, Batunet Basset Kikuni va contrôler dans tout le monde. Non, comment? Parce que vous savez, Mao de la Chine a dû suspendre beaucoup de choses, beaucoup d'activités pour ramener tout le monde au village à les cultiver. Mais si aujourd'hui on dit, pas question des universités, pas question de que les enfants. On commence peut-être, on laisse que les enfants de 3e, donc du point première année jusqu'à 7e année ou 8e année, actuellement, je ne sais pas comment on a dû organiser des choses. Et le reste au village. On vient, madame, et dit, toi tu fais quoi? Tu fais absolument rien. Rentre dans ton village. On te donne des moyens et tu cultives. On voit l'éternité dans tout le monde. Vous comprenez? C'est pour vous dire qu'au Congo, les Congolais n'aiment pas d'abord le Congo. En Éthiopie, ils ont une devise, ils disent Éthiopie d'abord. Les Congolais ne disent pas partout où ils se retrouvent, le Congo d'abord, la RDC d'abord. Ils se disent, moi d'abord. Ouais, c'est question de notre pays. C'est comme les gens comme cette Vikouni là. La vision, il y a régime actuel. Il y a des gens qui sont avec le président Félix qui ne sont pas dans sa vision. C'est pourquoi je vous dis, si il avait 90% des collaborateurs vrais qui veulent l'accompagner, il devrait changer des choses. Je ne dis pas parce que il vient de mon parti politique. Les Congolais conscients comprennent et seront d'accord avec moi. Président Félix, en le voyant, vous voyez la volonté et l'amour en Mboka. Mais la volonté et l'amour ne suffit pas. D'ailleurs, c'est parce que les Congolais attendent. Madame, l'amour, qu'est-ce que l'amour, pardonne-moi. Je vous donne l'exemple. Allez-y. Vous êtes là. Je suis votre frère. Quand il y a l'amour, quand en vous il y a l'amour, au côté qu'on a, c'est mon frère, quel que soit tout ce qu'il a, c'est mon frère. En lui, il y a l'amour. L'amour, c'est qu'il n'accepte pas aujourd'hui que la RDC soit vendue ailleurs. Même une portion de la terre congolaise soit récupérée par un ennemi. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas l'amour, il ne doit pas être un boli ou un boga terre au salon. Bonjour, nous sommes proposés, nous viennent en Nanga, nous disons que Kikuni, parce que Kikuni déjà monte déjà sa couleur. La couleur de Kikuni aujourd'hui, c'est celle de Nanga. Il y a que Bissot, on va boire, on va boire. Monsieur Paula, vous avez accusé indirectement cette Kikuni que chaque fois que je l'accuse pas. Même cet accusé de ce qu'il a dit à l'objet, ils mettront tous les moyens possibles pour que Babo ait le pouvoir. Mais ce qu'il dit, ça ne se diffère pas avec ce que Nanga a dit. M23. Vous comprenez? Mais le lot qu'on comprend a été opposant, nous sommes basés contre le président Félix. Vous voyez que ça n'a pas fallu le lot opposant. Il y a qui c'est qui. Et bon, opposant, basé, tu es basé dans la Non, basé.
Le problème, c'est qu'aux États-Unis, il y a des opposants. Mais il faut l'opposition républicaine. Ça marche, ils reconnaissent que ça marche. Ça ne marche pas, ils disent ça ne marche pas. Adolphe Moïse, tu n'es pas opposant? C'est un opposant? C'est un opposant. Mais non, c'est que ça marche, il reconnaît que ça marche. Là, c'est que ça boite. Et pourtant, moi, à 100%. Même dans les États-Unis, il est à 100%. Même la France, c'est à 100%. Mais 100% de ton monde, à ta 40%. Il y a des choses qui se font. Madame, il y a des choses qui se font. Le développement de la RDC, c'est l'affaire de tous les Congolais. Ce n'est pas l'affaire du président Fatih. Mais la différence entre les opposants congolais et les opposants d'autres pays, c'est que c'est le président seul qui développe les pays. Ils veulent cacher de bonnes choses aux Congolais. Ils veulent cacher de bonnes choses aux Congolais. Bon, ce n'est pas le cas. Partout ailleurs, vous savez qu'il y a des pays, il y a dans certains pays. Dans un petit exemple, il y a l'Ukraine. Là, si vous parlez aujourd'hui, il n'y a pas un opposant, il n'y a pas quelqu'un de la majorité. Tout se porte à la couleur de l'Ukraine. Ils se disent, non, nous devons être un, ok, pour mettre pour attaquer mon Abizou, qui est la Russie. Est-ce que c'est le cas avec la RDC? Mais la RDC, c'est que nous sommes attaqués par le Rwanda. Sous casquette M23, mais ce sont les Congolais qui s'alignent derrière au Rwanda pour attaquer leurs frères et leurs sœurs. C'est ça que j'ai dit que au Congo, il n'y a pas des opposants. Il y a des gens qui veulent s'arranger, qui veulent acheter des grandes parcelles dans le discours de l'Okuta sous prétexte que ce sont eux qui aiment le Congo et pourtant ils n'aiment pas le Congo. On va chuter par cette question 4 ans avant la fin du deuxième mandat du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, s'il faut concentrer ses efforts sur un ou deux secteurs, et que vous allez bon moment, nous recommander les secteurs. Nous avons conseillé que le président Félix a concentré les efforts, c'est vraiment sur le plan de l'agriculture. Hein. C'est l'agriculture qui peut faire bouger les choses. Parce qu'aujourd'hui, pour l'IA, nous ne serons pas pays trouvés pour lutter contre les taux de l'inflation monétaire si nous n'avons pas une production. Notre production ne doit pas se focaliser seulement sur le secteur minier, mais il faut penser à l'agriculture. Aucun pays ne s'est développé au monde avec les mines, non. Tous les pays aujourd'hui que nous envions, bah Zambie, ils ont les élagatés, bah les élagatés, pourquoi? Parce que tout le monde vise l'agriculture. Au Congo, dès que vous avez votre papa qui fait les champs et que vous, les autres, nos papas ou nos mamans sont dans des bureaux climatisés. Pourtant, nous avons étudié même des petits textes, des petits textes à l'école primaire où on dit on doit faire la bilanga, on va faire un zalatin. Mais au Congo, pourquoi nous souffrons? C'est parce que nous visons toujours travailler dans des bureaux climatisés. Nous voulons tous aller faire chercher de l'or, cuivre, cobalt, les diamants. Nous négligeons le secteur de la vie qui est l'agriculture. L'agriculture, madame, c'est la base du développement. Très bien. Si nous n'avons pas l'agriculture qui est forte, bah, industrie royauté. Parce que pour que les industries viennent, ces industries chercheront des matières premières. Les matières premières viendront toujours de l'agriculture. Tout ce que nous mangeons, tout ce que nous portons vient de l'agriculture. Au moment où ce secteur est négligé, on ne parlera pas de la RDC. On va toujours dépendre de l'extérieur jusqu'à ce que le monde changera sa couleur. Merci beaucoup, Monsieur Paulin. Merci, nous sommes à la fin. Vous allez regarder votre caméra. Quel est votre dernier mot? Les deux derniers mots que je peux dire, d'abord, c'est lancer un appel vibrant à tous les membres de mon parti politique, à tous les deux camps, de comprendre que le moment n'est pas à ce que nous faisons comme aventure, mais le moment crucial pour nous est d'être un, de parler un même langage pour soutenir le chef de l'État et tout son gouvernement, pour vivre à mes propres portes, implice. Améka pour apporter un changement. Ndenge, papa, Atikela Kibiso Maloba, les peuples d'abord. Donc, si nous sommes divisés, pour ça, les deux côtés, bah, on va profiter. C'est que si nous allons nous laisser dans ce que les ennemis du parti disent, nous allons davantage nous détruire. Autre dernier mot, c'est que dire à cette Kikundi que le moment n'est pas
a fait des aventures. Tika aventure vient, ce que monique pour ça la biloko zo ça la aventure wana ça la mona butu eza eza mabe. C'est normal pour nayo mais biso ba congolais to senga yo et mana mo to yeba yo bien to yeba couleur nayo nga to yeba ki couleur ya corne nan levier fayulu a compris les choses qui est dialogue ou pas convoqué par l'église catholique qui puisse réunir tout le courage d'aller voir son frère Aïm Saïe. Je suis venu, nous devons fédérer nos forces, savoir être, savoir faire. Ok, tout bon ça mon anabiso qui est au Rwanda. Merci à lui, parce qu'il a compris que c'est le Rwanda. Mais il a compris tard. Il a compris que c'est le Rwanda qui ne veulent pas de la RDC. Merci beaucoup, M. Paulin, pour tout être venu. Merci, madame. Merci. Si la prochaine fois, vous allez encore nous inviter. Ce ne sera pas la dernière fois. Exactement, ce sera un grand plaisir. DRC News, chers internautes, je vous demanderai de vous abonner massivement pour ne rien rater. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Je dis encore merci à l'équipe technique. Merci beaucoup aussi à vous, chers internautes, pour votre fidélité sur DRC News. Restez toujours branchés. Ciao. On se verra prochainement.